vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans la théologie de Saint Jean, exprimée dans son évangile, le monde est ce qui s'oppose à la réalité du royaume de Dieu. Il y a le monde, le règne de Dieu. Et nous, nous sommes choisis dans le monde pour faire advenir le règne de Dieu dans le monde. Voilà notre mission. Le monde dans lequel nous sommes, mais auquel nous n'appartenons pas, va être transformé pour devenir le règne de Dieu, pour devenir le royaume de Dieu. C'est une mission délicate, c'est une mission sensible, c'est une mission de tout combat. Alors, seuls les vrais combattants peuvent tenir jusqu'au bout. Ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie d'aisance, c'est une vie de plaisance, se trompe. La vie chrétienne, c'est une vie de rude combat. Un combat contre les forces du mal. Les forces du mal, ce n'est pas seulement les esprits mauvais, c'est aussi la mentalité négative du monde, qui fait de plus en plus la promotion des antivaleurs et qui cherche à condamner ceux qui promeuvent les bonnes valeurs, les vertus humaines, les valeurs humaines. Voilà le combat qu'il faut mener. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes donc interpellés pour que chacun, à son niveau où il est, puisse être un combattant de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus, les combats sont nombreux. Les lieux de combat sont nombreux. Les lieux de compétition sont nombreux. Les lieux de compétition sont nombreux. Il faut s'armer, non pas avec des kalachnikovs, non pas avec des bombes nucléaires. Il faut s'armer de la force même de Dieu. La force de Dieu, c'est l'amour. La force de Dieu, ce sont les vertus, la justice, la charité. Voilà. Nous devons nous armer pour faire advenir le règne de Dieu dans ce monde de plus en plus perverti et qui veut s'imposer au fils de la lumière que nous sommes. Demandons au Seigneur sa grâce, que nous soyons véritablement les vrais combattants dont Dieu a besoin pour que son règne advienne sur la terre. Pour ne plus que le mal règne en maître, pour ne plus que les antivaleurs soient promues, soient imposées, pour que nous puissions nous-mêmes proposer. Parce que Dieu se propose, Dieu ne s'impose pas. Le bien ne s'impose pas, le bien se propose, le bien s'accueille. Nous devons proposer au monde ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Voilà pourquoi c'est le combat que nous avons mené. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous serons combattus. Si nous faisons ce combat-là, si nous sommes à l'aise, nous ne menons aucun combat. Voilà pourquoi les sœurs, il nous faut être combattus parce que nous menons le bon combat. Le Seigneur nous soutient, mais ne nous abandonne pas. Parce qu'il peut nous laisser à la merci du monde. Il nous fortifie, il nous renfort pour que nous puissions triompher avec lui du mal, des forces du mal, de toutes les intentions maléfiques qui veut s'imposer au monde, à l'humanité et à l'univers. Que sa grâce soit avec nous et que la Vierge Marie, notre mère, nous accompagne également dans ce combat et qu'elle essaie toujours de que la victoire appartienne à son Fils et à l'Église. Amen. Amen.